Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Railway Empire. On continue avec pour objectif de profiter des chercheurs d'or pour développer notre réseau. Ah, on a une panne. Ça arrive, les pannes aléatoires. Comment on va faire ça? On va faire grossir la gare. Première étape. On va connecter l'entrepôt ici. Si besoin, je fais sauter ça. Très bien. Ensuite, cette section-là. Je triche un peu, je mets une petite tour là. De façon à ce que je puisse construire la voie sans être gêné. Ah, je suis quand même gêné par le voisin. Alors, on va mettre une autre tour d'assemblage ici. Ah, il y a un train dessus. Pff, ça m'arrange pas. J'ai pas besoin de longer. Ou alors je longe et je me connecte là. Oh, j'ai pas les sous. Ah bah mince. Du coup, maintenant il y a quelqu'un qui l'utilise. Je pars à réinitialiser le train. C'est possible. Voilà. Donc les petits signaux, on va les remettre. Poc. 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 Lui, il n'est plus nécessaire. On va rajouter des voies. Je vais absolument pas avoir les sous tout de suite, donc ça attendra un peu plus. Ok, donc oui, lui, j'ai mis la tour d'assemblage, il a Attire de bondi. nombreux chercheurs d'or, et pour beaucoup, vos trains constituent le Yep. transport privilégié. Il y a un peu plus d'un an qui s'est écoulé, on a fait 3 missions. La suivante, c'est en 55, on a du temps. Il faut que je fasse grandir Carlson City, ça j'ai pas vraiment commencé pour l'instant. Donc, petit tour d'assemblage. Je te file. Mais je pourrais en mettre une. Celle-là. Hop, voilà. Ah, ça a réinitialisé le train, il m'a pas dit. Ah. On va d'abord faire un autre embranchement. Alors. Hop, choc. Ici, par exemple. Et ensuite, on va longer la voie aussi longtemps que possible. Puis fusionner ici, si possible. J'ai l'impression que c'est ce stop qui nous embête. Ça. Ah, ça coûte trop cher. C'était prévisible. Mais bon, on va faire sauter ce point. On va construire ce premier point. Je veux remettre la tour d'assemblage surtout. Hop! C'est parti. Pour l'instant, la voie est pas finie donc il va pas faire grand chose. Mais est-ce qu'à Sacramento ça va mieux pour la production de viande? Non. Ce train-là il suit pas le rythme. Faut dire qu'il a plein de ressources à apporter. Mais l'autre, il y arrive. La ligne n'est pas beaucoup plus courte entre San Francisco et l'entrepôt qu'entre Sacramento et l'entrepôt. Mais il y en a un qui suit et l'autre qui suit pas. Au moins, il tourne à plein régime, il rapporte plein de sous. Alors que ceux-là, comme ils emportent à l'entrepôt, ils rapportent rien. Carlson City est en croissance, Sacha aussi. Juste parce que je leur apporte du blé, tant mieux. Se satisfont de très peu. Et ils ont un tout petit peu de bois qui arrive de par là. Ça leur suffit. Tant mieux. Ah, et Sacha, c'est moi qui ai mis le bois. Ils ont de la viande. Ils ont juste pas de maïs. Et ils auront du sucre, probablement celui-là ou celui-là. Prochainement, quand ils en auront besoin. Alors, on avance en recherche. Je voulais acheter les 30. Quand j'aurai 3 petites étoiles, ça sera mieux. Ah, c'est bien, il fait la queue tranquillement, aussi loin que possible. Ah, c'est vrai que ça leur ralentit un peu le fait qu'ils partagent des lignes. Utilisé à 86%. C'est pas super. Ah, c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de lignes de train. Donc, on va finir notre duplicage de voies. Voilà, ça longe correctement. Paf.
on va mettre des signaux. Même principe que le duplicage de la voie d'à côté. D'ailleurs, je pourrais les faire fusionner. Je me dis qu'à un moment ou à un autre, il y aura tellement de trafic qu'il faudra de toute façon avoir deux voies et qu'il faudra mieux qu'elles soient séparées. Hop, faut pas qu'il attende là. S'il y a déjà un train dedans, ça va être embêtant. Eh bien, on est pas mal. On va regarder où est le train. Ah, il est dans le mauvais sens. Mince, on va attendre un peu qu'il soit dans le bon sens pour éviter de causer des soucis de circulation. Celui-là, il est pas très rentable parce qu'il circule avec pas beaucoup de blé, parce que ici, il n'y a pas beaucoup d'habitants. La brasserie est pas très grande. En plus, elle produit pas beaucoup parce que la consommation de bière est bien inférieure à la production. Heureusement, je peux pas vraiment améliorer la chose, sauf en allant les connecter à Sacramento. Ce qui serait un truc intéressant, mais je sais que les tunnels coûtent vraiment, vraiment, vraiment très, très cher. C'est quand même une ville qu'il faut que je fasse grandir. Je pense pas que la connecter à une autre serait terriblement rentable. Je pourrais connecter Sacha et Carlson City puisque les deux ont besoin d'aller chez l'autre. Mais on va commencer par augmenter le nombre de trains sur cette ligne-là. Donc Sacha San Francisco, c'est parti. Allez, quitte à ce que les locomotives coûtent pas cher, je me dis, on va limite surcharger la voie et on verra ce que ça donne. Hop, là tu repars. Ah, t'es en révision. Voilà, chargé, plein d'or. En plus, ça va me terminer le succès de l'or rapidement. Je me dis que c'est vraiment un truc à exploiter parce que eux, ils vont produire de l'or en quantité astronomique. Eux, ils ont plein de gens envoyés pour de l'or. Autant profiter de cette ligne où je peux charger. Il y a d'autres lignes où c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas exactement quelle ville je vais faire grossir également. Je pense que j'irai aussi par là parce qu'on a l'interface entre les champs de blé et les productions de bétail. Que c'est très intéressant d'avoir, au moins pour le début, des villes de blé connectées avec des villes de viande. Body, faudra que je pense que je peux la connecter facilement avec San Francisco ou Sacramento, Los Angeles ou avec Los Angeles, pourquoi pas. Je pourrais faire la liaison rapide entre les deux et après profiter pour aller jusqu'à Body en collectant du maïs sur le trajet. Lui, il a du maïs et du blé facile. Et Body et Los Angeles, ils peuvent s'engrainer pour augmenter leur nombre de citoyens. Donc j'aurais Body Los Angeles, ça fait 2. Carlson City, Sachta, Sacramento et San Francisco. Ça fait 4 qui tournent ensemble. Il me manquera deux, peut-être que je pourrais piquer Milford et Salt Lake. Après, une fois que ce sera des villes un peu raisonnables, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir faire venir. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de légumes dans le secteur. Il y a un peu de lait au sud. Bon, on verra comment j'arrive à les faire grossir. Ou alors, j'essaierai de faire grossir San Diego avec Body ou celle-là. Celle-là, je peux tirer de par là. Ou même d'ici d'ailleurs. Ah, Los Angeles. Ah, ouais. Bon, il est relativement proche du bétail, mais il n'est pas très proche non plus. Alors, j'ai des sous. J'ai des sous. Est-ce que c'est rentable? Pour l'instant, je ne sais pas. Faut que j'attende qu'ils aient fait un tour complet. On va mettre une petite gare à Los Angeles. Le truc aussi, c'est que je ne peux pas connecter deux villes
Hors de mon réseau, je suis obligé. Je peux pas connecter Los Angeles et Bodhi avant d'avoir connecté l'une des deux à une autre ville que je possède. Donc, ça limite un poil. C'est pas possible d'éviter de faire des trucs comme ça. Ah si, oh, je sais pas pourquoi il était monté, mon truc. Super. Toc toc toc. Alors, ouais, tunnel 4 millions, vous oubliez. On va tirer un peu pour longer la côte. Ça nous évitera beaucoup de dénivelé. Peut-être que là, c'est quand même plus rentable de passer dans les hauteurs. Hop, là, il y a un peu de dénivelé. Je fais un premier jet et après je corrigerai comme nécessaire. Là, je suis tout à fait satisfait. Ensuite, ici, ça creuse un peu. On peut creuser un peu plus, mais il faut quand même pas avoir besoin de passer par le tunnel. Cinq, trois, ça me convient. Là, il y a une petite section où ça monte un peu raide. Ah. Bon, on va la laisser comme ça. C'est moins grave d'avoir du dénivelé sur des trains de passagers, parce qu'ils sont moins lourds. Voilà, 3-12. Je sais pas si celui-là il est très utile. Sinon ça fait 4. Ouais, mais c'est plus direct, c'est un peu mieux, non? Pas sûr. On a du 11. On va baisser un peu. 8, 7, 8. C'est un trajet relativement direct. Si je fais sauter lui, il passe par où? Là. Ah. Et ça me coûte plus que 320 et pas 5 millions. Hop. Bon, j'ai pas encore les sous, mais on va la faire quand même. Et on essaiera d'y mettre un train express. Il me faut encore pas mal de points d'innovation. J'en gagne 40 quand même. Waouh. J'ai l'impression que c'est beaucoup, c'est peut-être pas beaucoup, mais. Je crois que les universités, ça booste de. De 4. Ah, d'accord. Plus 10%, c'est pas mal. Là, ça va, tous les trains rapportent beaucoup. Ici, je ne sais pas, il est en cours de remplissage. En tout cas, ça fait du trafic sur cet axe. Même si on a des utilisations relativement faibles. Ce qui veut dire que je pourrais encore gonfler le nombre de trains. J'imagine que c'est dans les arrêts de gare que ça sature. 53. 72. Bénéfice de votre usine. J'ai zéro usine, mais vu le prix, je me dis que ce serait dommage de passer à côté. Alors. Niveau réduit. Ah. Qu'est-ce qu'il leur manque? Du tissu, c'est tout? Ouais, je peux pas tout faire. Oh là là. Il leur fallait du lait, maintenant il leur en faut plus. Sauf que je peux pas leur faire faire une usine de tissu. S'ils sont pas satisfaits comme ça, je vais être embêté. Faudrait que je tire depuis Red Manoir. Alors, de ce côté-là, on est bon. On va mettre les petits signaux. Nouveau train. Los Angeles, San Francisco. Le train le plus rapide possible. Hop. Touc. J'aurais dû acheter la locomotive juste après. Mais bon. Ah, ça réduit 30% sur la valeur. Ouais. Ça aurait été abusé qu'il soit gratuit. Mais bon. Toujours rêvé. Alors, cette liaison, elle est partie. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera pas considérée comme une liaison express. On verra. L'or, ça avance bien depuis tout à l'heure. L'alcool, j'en produis pas encore.
Calson City, j'ai pas beaucoup de monde. Est-ce que j'ai des demandes d'alcool? Non, il faut que j'atteigne 65 000 pour commencer à avoir des besoins en alcool. Est-ce que... Oh, Sacramento, il a une usine de plus. Attends, hop, pause. Ah, mais ça coûterait très cher. J'aimerais bien faire une plateforme de tissage ici, qu'il puisse partager avec Sacra. Sacra qui augmente encore. Sacra qui sature en bois. Quitte à ce qu'ils aient le truc de bois juste à côté, je leur ferais bien un truc de planche. Alors, c'est cette ligne-là que j'ai. Bon, plus on rajoute de trains, moins c'est rentable. Mais 3 000 pour le prix que je paye la locomotive, c'est pas mal. Ah lui, il est tombé en panne, je croyais qu'il attendait. Ça descend un peu. Bon. Parfois, ça fait perdre des sous de mettre deux trains sur la même ligne. Quand il n'y a pas les besoins qu'il faut et que ça ralentit et que du coup c'est plus une ligne express et que du coup voilà. Donc je connecterai bien Bodie et Los Angeles pour qu'elles commencent à grandir les unes avec les autres. Pour ça, on va mettre une gare. On va connecter Bodie à ses petits voisins. Il faudrait une grande gare pour connecter les deux à la fois. Ouais. On va pas mettre. Ah, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va me falloir une petite gare de ce côté-là. S'il veut bien. Qu'à Los Angeles, on va faire un bâtiment de maintenance. 12 gares reliées. On va agrandir la gare et faire un bâtiment de maintenance. Qu'on va payer de la voie jusqu'au maïs. Avec une grande pente. Ça n'arrange pas tellement. Là, qu'on va leur ajouter un petit train. Hop, roule. On va leur dire de ne pas quitter l'Ève. Ah, je sais pas trop, je sais pas trop. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Los Angeles, San Francisco. Pour l'instant, c'est pas une liaison rapide. San Francisco, ça monte un peu. Juste un peu, mais ça me suffit. Sacramento à un niveau plus élevé. Ouais, mais il tourne toujours autour de 40 000. C'est-à-dire que par moment, ils ont un manque de quelque chose, je sais pas quoi. Ah, quand ils passent 40 000, ils ont besoin de lait. Ils ont besoin de bois, ils ont besoin de blé. Ah, il manque des de vaches aussi. Ça peut se résoudre. Assez facilement, normalement. Par exemple, comme ça. Alors, comment je vais faire? Je vais décaler cette ligne-là. Voilà. Oups, non, construit. Hey! Signaux. Voilà. Lui, il va être un peu perdu. J'espère qu'il va switch de voie plutôt que d'essayer d'un truc fou. Il est où? Non, il va essayer un truc fou. Ouais, il essaye un truc dingue à mon avis. On va le supprimer. Hop. On fera une copie plus tard. Ce que je voulais faire, c'était dupliquer. Déjà, ils vont avoir plus de droits d'utilisation de la voie.
Donc ça va aider. Si à chaque fois ils attendent un peu avant de pouvoir faire le trajet, ça ralentit. On va voir ce que ça donne comme ça déjà. Los Angeles. Il leur manque clairement de la bière, du blé, il leur manque plein de choses. Il ne leur manque pas encore de sucre. Body. On va... Ah mince, ma souris n'a plus de batterie. On va les connecter aux deux petites gares voisines. Je ne sais pas si... Normalement, le plus utile, ce serait quand même de faire une grosse gare qui relie les deux à la fois. Donc on va faire ça. Carlson City, ils auraient besoin de maïs aussi. Et c'est une ville que je dois faire grossir, donc je vais leur faire tirer du maïs. Et là, si quelqu'un veut faire une usine de... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme bêtise en fait? Pas grand-chose. Ils peuvent faire une basse brasserie, ça m'arrangerait pas. Ils peuvent faire... A priori, ils vont pas faire d'industrie de la viande parce qu'il y en a déjà une, donc ils vont forcément faire du tissage. Je la paye pas parce que ça me coûte très très cher. Ah, on a un nouveau train. Alors, j'ai pas mis de matériaux. Tout à fait. C'est un oubli de ma part. Ce train-là, on va le changer pour un moins cher et plus rapide. Et plus confortable d'après les passagers. Alors, ma grande gare. C'est fait. Ensuite, il lui faut la connexion. La grande gare. Toc. Un train qui va faire Campbell Ferme. Body. Voilà. La ligne express, quelle ligne express? Celle-là. Hop, si tu sers en tant que ligne express, on va te mettre le dernier train qui en plus coûte moins cher. Train de passagers, ils ont généralement des moteurs moins puissants et ils coûtent moins cher. Autant en profiter. Donc Body va être alimenté en blé et en maïs jusqu'à saturation. Ah, ça grandit là-bas. J'aime bien faire une scierie. J'ai peut-être pas contrôlé toutes les lignes, toutes les entreprises, sachant que mon objectif, c'est surtout de transporter de l'or, d'augmenter la population. Ah, il faut que je produise de l'alcool quand même. Ils ont augmenté après avoir diminué, ça n'arrête pas. J'aurai du bonus si je connecte Los Angeles et leur petit voisin San Diego. Ah, je ne peux pas. Tant que je n'ai pas construit la ligne qui connecte Body au reste. Sachant qu'en fait, je peux en faire une juste là. Et ce sera suffisant. Sans pont. Merci. Hop. Il n'arrête pas d'alterner. Je pense qu'il y a quelques ressources sur lesquelles il est un peu bas. Le blé, c'est pas moi qui l'apporte. Les gens prennent la diligence, traversent la montagne. Alors j'imagine bien que c'est compliqué. Si on est saturé en bière. On va en faire un de plus. Alors, même le dernier, il rapporte 3000. Ça, c'est beau. Ah, il commence à transporter toute l'or et à pouvoir transporter autre chose. C'est vrai que lui, il n'a pas beaucoup de bière, du coup, vu qu'il récupère essentiellement de l'or. Ça veut dire que je peux en faire encore un. Sans souci, théorie. Le bois, est-ce qu'on est d'accord pour dire que
tant que... Non, ok. On va le mettre. Tant que t'es pas chargé, t'évites de piquer la voie dans la gare qui est 119%. C'est un peu trop. Alors, petite gare, San Diego. San Diego, Los Angeles. Connecté. J'en ai une autre à connecter ici. Petite gare. Celle-là, on va pas la garder. On va la connecter pour le bonus. Puis après, tout d'un coup, nos intérêts auront changé. Hop, sans pont. Finalement, je me dis que c'est pas le meilleur choix. Ok, en revanche, San Diego, Los Angeles. Il y a peut-être moyen de faire du trafic de passagers. Ah, nouveau record de vitesse. Est-ce que cette ligne, c'est une ligne express? Toujours pas. Pourtant, elle rapporte beaucoup. Ah, et il ne faut pas se gêner les uns les autres, bien sûr. Comme ça. J'ai oublié. Tour d'assemblage. J'ai beaucoup de sous, on pourrait commencer à rembourser. Alors, surtout 0 semaine. L'autre, on va le laisser pour un peu plus longtemps. On a une belle valeur d'entreprise. Combien on gagne? 3 700 au dernier semestre. Trimestre. Ah non, 7 000. Ah, je gagne beaucoup avec les passagers, je pensais pas. D'habitude, mon truc de marchandise, c'est quasiment tout ce que je gagne. Les passagers, il y en a exclusivement sur cette ligne-là. Cette ligne-là. Cette ligne-là. Ouais, non, il y en a quand même pas mal, mais. Ah, et Carlson City s'acheta. Il faudrait que je leur fasse. Chasta. Oh là, je prononce mal depuis le début. Bon. J'espère que vous ne m'entendrez pas. Chtachta, quoi. Ça vaudrait la peine que je les connecte, rien que parce que l'un l'autre, ils voudraient faire passer du monde. Ce qui demanderait de faire grossir cette gare. On va commencer par connecter Body au reste. Alors maintenant, si possible, Campbell Ferme, on va faire un bâtiment de maintenance, c'est gratuit, autant en profiter. De ce côté-là, on va commencer comme ça. Et on va mettre un petit bout là. Je vais faire un truc un peu temporaire, rien que pour pouvoir glisser la tour d'assemblage. Ça suffit pas. Ok. Donc, tour d'assemblage. Ensuite, ça vire. Et ensuite, on va se raccorder ici. Et ici, il faudrait que je fasse grossir la gare. Alors. Pourquoi pas en longeant par là? Pour l'instant, je passe trop près. Ok, et après, là où il y a le moins de trucs qui gênent, c'est là. Alors, ici, je passe trop près, trouve-t-il. Voilà. 15-3, 15-2. Ça change pas grand-chose. Il y a quand même un sacré dénivelé. Peut-être inévitable. Et là, 18. Oh là là. Et de ce côté-là, il y a un tunnel que j'aimerais éviter. Quatre, c'est raisonnable. 5, 6, c'est encore raisonnable.
Oula, ça m'a tordu le truc. 3, ça va augmenter pour nous éviter les ponts. Est-ce qu'il y a encore des ponts? J'ai du pont encore, ouais. C'est pas là. C'est pas là. C'est là. Voilà, on est sur un tarif assez raisonnable. Body Los Angeles. Hop, c'est parti. Plein de bière. Signaux. Ah oui, les stations de. Les tours d'assemblage servent aussi de signaux. Voilà, petit changement, cette ligne-là va pouvoir profiter de sa voie à elle toute seule, quitte à avoir 4 voies. Autant en profiter. Surtout que celle-là, elle va utiliser assez fréquemment le chemin. Alors, Carlson City. On va grossir la gare. Connexion avec Body n'est pas utilisée pour l'instant. On va connecter notre nouvelle voie à la ferme. Puis voilà, hein, un petit tunnel près. Ça me convient. Il va me falloir une tour d'assemblage. Hop, et roule ma poule. Alors, et il rapporte en priorité de Campbell Farm le maïs. Et d'ailleurs, si, vu qu'il a sa voix à lui, s'il n'est pas plein, il attend. J'ai un train qui rapporte 10 000. Pas vu lequel. Je suis sur cette ligne-là. J'en ai qui rapporte rien. Ça, Los Angeles, San Francisco, 10 000. Waouh. San Diego, Los Angeles, pas mal. San Francisco, Sacramento, ça va. Entrepôt. Plus de 5 000, c'est très bien. Ah, ça rapporte pas beaucoup. Campbell Farm Body. Il rapporte pas beaucoup. Ça doit saturer. Ça doit saturer. Faut que la ville grossisse pour qu'elle puisse consommer plus de ressources. Et pour ça, il faut qu'on leur apporte de la viande. Et le train est en chemin pour aller la chercher. Donc Carlson City va récupérer du maïs. Ils n'ont pas de viande pour l'instant. Pour avoir de la viande, il faudrait que je fasse un tunnel. À San Diego, on va ajouter un petit bâtiment de maintenance. C'est gratuit, ce serait dommage de ne pas en profiter. À Los Angeles, je pourrais les raccorder au sucre. Ah, ils n'en ont pas besoin pour l'instant. Faut que j'attende qu'ils aient consommé plein de bière pour ça. Et ils ont pas. Oh! Ils ont pas de connexion avec du bétail. J'oubliais. Ou alors on les connecte par là. Ça peut se faire aussi. Je sais pas comment je passe. Ou alors je longe cette voie-là. On peut faire ça. Hop. Alors, petit changement.
Hop. Hop. C'est quelle voie que je squatte du coup? Ah, oh, c'est une longue. Bon. Signaux. Je pourrais même faire deux gares par ville, mais je pense que la nécessité ne se fait pas encore sentir. Nouvelle ligne. Île Engraissement, Los Angeles. San Francisco, on n'a pas besoin de lait. Yes, ils ont fait des vêtements, mais on a besoin de coton à Sacramento. Et après le coton, j'aurais besoin de légumes et tout. Ce que je serais tenté de faire, c'est de faire un entrepôt de ce côté-là, le connecter à Sacramento et à San Francisco. Oh, c'est pas mal comme ça. On va le mettre le plus près du fleuve possible, tout en ayant les deux. Une petite gare de ce côté-là. Dans l'entrepôt, on accepte le coton, les légumes. Ah, j'ai presque 5 km de voie. Dès cette gare reliée, sont pas reliées, hein, mais. Oh, hop, c'est pas ça que je voulais. Max. Entrepôt. On est parti. Entrepôt Sacramento. Pour ça, faut que je me fasse libérer une voie. Tour d'assemblage. Choc. Choc. Je refais ma petite technique pour décaler les voies sans trop en casser. D'ailleurs, on pourrait les coller. Oh, c'est pas utile. Je pense qu'elles ont toutes les deux leur tour d'assemblage. Ah bon, on peut coller ces deux-là. Sur juste une petite section. Et mettre une tour d'assemblage comme ça. Hop, plus une ligne entrepôt Sacramento. Pas pour l'instant. parce que pour l'instant, le seul truc utile, c'est le coton et il n'est pas encore arrivé. Ah, ce que je pourrais dire tout simplement, c'est qu'il attend d'être pleinement chargé. Oh, il n'y a pas de point d'arrêt là? C'est un oubli. Est-ce que l'or ça flue? Ouais, ça arrive, ça arrive. Carlson City, on n'a pas encore du très très gros. Mais ça monte. Ah. Alors je pense que maintenant, entrepôt Sacramento, pour le tissu, ça va le faire. Et si jamais t'es pas chargé, on va dire d'au moins 4 wagons, tu bouges pas. Normalement, cette ligne est un peu plus courte, donc on va jamais être en manque de coton à l'entrepôt pour l'emmener à Sacramento. Quand ils nous feront du tissu, il partira à San Francisco, Sacha et tout. Voilà, voilà. Ce côté-là, pour l'instant, il faut rien. Ah, je peux faire des locomotives mixtes. Je sais pas combien ça coûte. Donc c'est sur ce genre de trajet, typiquement celui-là, où transporte des matériaux dans un sens et des passagers dans l'autre, je serais tenté d'acheter du mixte.
Est-ce qu'il y a beaucoup de dénivelé? Là, visiblement, ils ralentissent pas mal. Faut une puissance de traction importante pour pallier le dénivelé. Si j'en mets une seule, ce sera pas très utile. Il faudrait que je change tout. Je suis pas persuadé que quelques kilomètres-heure de plus soient si utiles que ça. Sachant que la ligne. Ah, je vois plus le dénivelé une fois qu'elle est toute construite. On va pas y toucher pour l'instant. Ah, de l'or. Les valeurs que vous avez déjà transportées sont remarquables. Ouais, t'as vu? Alors, en fait, je voudrais gérer le train. Il ralentit par là, il ralentit par là. Bon, au gare, c'est normal. Attendez, dénivelé en mètres. Ah, il descend beaucoup et il remonte. Oh, le temps file. On va s'arrêter là pour. Oh! Est-ce que j'achète une entreprise de bœuf pour bon, on va dire oui. Je suis pas persuadé que ce soit l'affaire du siècle. Pour l'instant, ils ont pas fait beaucoup de bénéfices. On verra. On va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve bientôt dans le suivant.